Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 7 sur Outlast. Donc vous allez être contents, j'ai enfin reçu ma nouvelle manette et c'est fini les petits regards qui se glissent vers les pieds. Donc je sais, la dernière fois où on était, ça fait longtemps que j'ai pas joué là, vu qu'on avait fait Watch Dogs. On était allé dehors. Et on était re-rentré dans la baraque, ce qui m'avait fait vraiment très chier parce que je pensais que c'était la fin du let's play. J'étais là, trop cool, ça y est, on a réussi et tout. Eh ben non, gros fail. Ils aiment bien nous emmerder dans le jeu. Je vois que les chargements sont toujours aussi longs. Ça fait toujours autant plaisir. Ah, là. Qu'est-ce qu'on fout ici? Je crois qu'il va manquer un tout petit bout de let's play, mais il va manquer que 5 minutes parce que la dernière fois on était rentré par une fenêtre et c'était pas exactement ici. Et je sais même pas où on est là en fait. Si j'arrive à retrouver le petit bout de let's play, je vous le mettrai, sinon non. J'ai juste avancé un petit peu, on avait vu le père Martin. Alors attendez, je vais essayer de vous dire au moins ce qu'on avait fait parce que vu que j'ai plus de let's play. Donc c'était le père Martin, on devait rejoindre le père Martin la dernière fois dehors. Et du coup on s'est fait troller et on a dû rejoindre le père Martin à l'intérieur du bâtiment. On a vu le père Martin et il nous a dit viens, il faut que tu vois autre chose. Et du coup on s'est bien fait baiser la gueule par lui encore une fois. Et donc je me suis avancé, je sais qu'il y a gros cochon pas loin, c'est tout ce que je sais. Je crois que j'étais arrivé d'ici. Je m'en rappelle plus les touches. Normalement on peut pas courir avec R2. Ah non, ça c'est pour se regarder sur les côtés. C'est pas... Ah, L1. Là voilà, c'est bon, je me rappelle les touches. J'ai plus de piles. Il suffit de demander. Hop. Deuxième. Non. Bon. On va éviter de tout bousiller. On doit venir d'ici nous. Bon, c'est fermé. On va essayer de passer par là. Je sais plus exactement si on venait de là. Par terre. Ah, c'est un bouton. Non. Je me rappelle très bien qu'on venait d'ici et que je venais d'échapper à gros cochon. Voilà, c'est ça que je me rappelle. Alors, désolé, faut que je me rebête dans le bain là, j'avoue. Donc on a deux choix. Ah non, on a qu'un, c'est ici. Et oubliez pas d'éteindre la lumière, hein. Je vais pas être le seul à flipper. C'est quoi cette vieille musique, putain? Putain, je commence déjà à flipper, moi. Je suis en retrouillard. Je l'aime pas. Putain. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Oh bordel, j'ai sursauté. Oh la vache, ça me fait trop flipper. Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas joué, du coup là... Oh putain, je vais plus avoir de piles. Putain. Ok, alors on se retrouve où ici? Là c'est fermé. J'imagine que ça c'est même pas la peine. Faut pas rêver. Putain. Ne dites pas qu'il faut descendre parce que je vais péter. Putain, la porte est ouverte. Oh là là, j'en ai marre de mon
foncer dans ce bâtiment à la con. Ah, attendez, je vais regarder. Rejoignez le père Martin par les niveaux supérieurs. On est d'accord. Ça fait haut quand même là. Comment on fait pour sauter? Croix. C'est bon, j'ai joué. Oh là là, quel gosse. Ok. Ouah. Je n'aime pas du tout ça. Petite sauvegarde, non? Arrêtez ces bruits de merde. Je vais faire une crise cardiaque, un de ces quatre. Plein de trucs chelous là-bas. Lui il me fait toujours autant rire. Putain. Regarde-le. Regarde-le se barrer là. Facile pour lui. Hop hop hop, je m'aventure pas là-dedans sans lumière moi. J'arrête d'appréhender les trucs comme ça parce qu'à chaque fois c'est comme ça que je me fais le plus peur. Ils te font marcher dans tous les sens pour au final rien trouver quoi. En fait c'est juste un putain de labyrinthe cet endroit. Je suis sûr que lui il va m'emmerder. Pariez combien? Non c'est bon. Donc j'ai... deux choix. Putain, j'aime pas quand il y a autant de choix. Oh putain, les casiers. Ça, c'est le genre de porte qui se défonce facilement. J'ai pas envie qu'elle se défonce. Sérieusement, c'est quoi ce jeu de malade mental? Toi t'as pas intérêt à me faire une farce. C'est quoi ce foutu labyrinthe quoi? D'accord, vous l'avez bien vu vous aussi. Regarde, il arrive. Le cassis, attends. Si je cours, il va me repérer. Ils étaient là, le cassis, ils étaient là. J'ai plus de piles. Je crois que j'ai vu ses petits yeux. Je sais pas s'il est là. C'est pas lui qu'on entend ? Alors.
la chance qu'on en a pas. On a de la chance. Par où? C'était par là-bas. Non, 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 non. Trompe plus de bouton. Non, c'est pas toi. Il y avait quoi ici alors? Préparez-vous mentalement. Oh non! Oh non! Mais cours! Cours! Oh putain, il y a des cas en plus ici. Vite, vite, vite. Je sens qu'il va me choper là, il court aussi vite que moi normalement. Sinon j'aurais plus de piles. Vu que ça fait un moment que j'y ai pas joué, franchement ça me fait flipper. Je l'entends murmurer. Oh là là, une heure de ce jeu. Putain, une heure d'affilée. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il court dans tous les sens? Voilà, une, voilà, deux. Non, non. Je crois qu'il a dit je suis ton pire cauchemar. Aïe 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 vite. Oh oui, j'ai réussi. Ah non, j'y vois plus rien. Ah j'ai une pile. De lumière, faut que je me dépêche parce que sinon c'est tout, je vais tout simplement me faire poutrer. Invite le wall rider. Mais ça a rien cette pièce. Attendez, je me suis foutu dans un 3. Bon, on est bien d'accord, il n'y a aucune porte nulle part. Putain. Alors ça, ça me trouble bien le cul. Il n'a pas l'air d'être derrière. C'est bien du bruit, vas-y, fais-le bien pousser. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis désolé. Ah, appuie sur carré pour ramasser le fusible de la chute. Hop hop hop. Merde, je crois qu'il est pas content. Je crois savoir où il faut aller.
Et je crois que c'est pas avec lui qu'il faut rester. Oh putain, ils m'ont pris une brette. Allez, cours mon chou. Non, 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 je courais, c'est quoi ce bordel? Il m'a rattrapé. Aïe, aïe, aïe. Oh, comment vous dire? Je me suis fait poutrer la gueule. Alors, on avait dit tac. Je me retrouve où là? C'est... ouais. Moi, je voulais voir s'il n'y avait pas... Il n'y a plus la pile? Non, il n'y a plus la pile. Je voulais voir ce qu'il y avait ici. Ça se trouve, le truc du fusible, c'était ici qu'il fallait le poser. Donc si je sais pas ce qu'il faut faire, bien sûr, ça risque pas d'aider. Driving in the nails. Bon, pour les bilingues. Ouais. Ouais, ok. Toujours plus les copains. Elle sert à quoi cette pièce? Comment on fait pour zoomer déjà? C'est pas ça? Je crois que c'est en français. Attendez, attendez, j'essaie de cadrer. Salut, ça va? Putain, c'est illisible. Ça va, hein. Jurement que je suis allé chercher des affaires pour d'autres choses, donc je te souhaite des trucs et des éléments. Ciao. Ok, ça servait à rien de le lire. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de pile, il n'y a que dalle, il y a juste un truc. En fait c'est juste une pièce pour se cacher, c'est ça? Donc faut le poser où, la pièce qu'on a trouvée juste avant? Ils me disent rien là-dedans. Rejoignez le père Martin par les niveaux supérieurs. Ok, c'est génial. Je suis content. Vous savez quoi, on va juste la récupérer. Peut-être qu'on aura un objectif de donner juste après. Parce que là, je vois pas du tout ce qu'on pourrait faire. Voilà. Oh putain. Les piles. Les piles. Ah, ça se trouve, c'est ça. La chute à l'âge de 3 fusibles. Tu rigoles ou quoi? 3? J'en ai trouvé qu'un. En plus, il y a un cadavre dedans. Ah, ok, mais c'est juste pour récupérer la clé, je suis con. Donc, 3 fusibles. Comment tu veux que je les trouve? J'en connais un. Putain, il est déjà là, quoi. Garder ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie, parce que s'il arrive devant moi et que je le vois pas, j'aurais pas l'air d'un con. Ça se trouve, je suis passé devant des fusibles et je les ai même pas vus, quoi. Donc déjà, je sais qu'il y en a un ici. Je sais que la dernière fois que je suis arrivé devant la porte, c'était le bordel. Allez. Il n'a même pas capté. Sans bras. Tant mieux pour moi. Oh putain. Bon. Je pense qu'on a dû oublier quelques trucs. Putain, mais j'y vois rien sans.
Où est-ce qu'il y a un putain de fusible? On a trois pièces. Une où il y a un barge qui s'énerve quand on prend la pièce. Une où il n'y a rien du tout, donc celle-là. Et une où il y en a un qui te fait chier quoi que tu fasses. Je trouve une putain de pièce. Où est-ce qu'ils ont bien pu la mettre? Il y a trois pièces, il devrait y avoir un fusible dans chaque pièce. Ah putain, je suis aveugle, c'est pas possible quoi. Oh putain! Oh la salope! Il m'a trompé le pépé, j'en ai marre le cul. Ah j'ai des frissons! Oh là là, comment il m'a foutu là! Pétoche! Oh non, il m'a vu. Oh la pute! Bon, déjà, j'ai compris à moitié ce qu'il fallait faire. Alors, on va courir. Où c'est qu'il y avait des casiers? Où c'est qu'il y avait des casiers? Où c'est qu'il y avait des casiers? Il y en avait là. Si lui ne me fait pas chier. Allez! Oh non, mais il sait pas fermer une porte. Ce qu'on va faire, c'est du bol. Ouais, comme un porc. Oh, mais sérieusement, qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi? Voilà, c'est le bordel, franchement, ils sont 46. C'est bon, j'ai réussi. Range ta caméra. Et je vous jure, mes poils ils sont hérissés quand je l'ai vu dans le couloir, lui. Je vais faire une crise cardiaque un de ces quatre sur un des let's play de Outlast. Vous pensez que je peux sortir? C'est con déjà pour mettre la thermique. C'est... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Joystick, voilà. Oh le bâtard, il est encore là. Juste là. On y voit que dalle. J'ai plus de piles, j'ai plus de... Pile, mon dieu. À chaque fois c'est au pif quoi. Donc un deuxième. J'ai plus de pile. Ouh, ça va être encore le bordel. Regardez là. Là, cours, 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 cours. Il faut que j'aille à droite. C'est aussi. Il y a des piles en plus à côté. Juste là, il y a des piles. Là. Oh bordel. Si j'arrive pas à fermer la porte, je suis dans la merde. Allez, ferme. Je sais pas fermer des portes. Je sais où il faut aller. Je sais pas quand est-ce que je vais me faire arrêter par un truc. Oh merde, il y a l'autre barjo. Ça y est, je me retrouve avec deux mecs au cul. Non, l'autre il bouge plus. Cette fois-ci, il faut que j'arrive à fermer la porte. Oh putain, le cadavre. Putain, tu vois que dalle. Comment on fait pour fermer une porte? Comment on fait pour fermer une porte? Allez, ferme! Oh putain, ça m'emmerde! Merde. Je vais retourner... Je sais même pas retourner. C'est bon, il est passé à côté.
soulagement. Il est parti en courant là, j'ai pas rêvé. Faudrait juste que j'attende parce que normalement il court, il s'arrête dans les intersections et ensuite il se barre à un autre endroit. Il est pas revenu là. Certainement me faire poutrer, préparez-vous là. Où est-ce qu'elles sont ces foutues piles? Là. Là. Putain, oui. Comment on ferme une porte? Comment on ferme une porte? Je vous assure que je... Je peux pas... Oh putain. Vite, faut que je trouve. Là. Non. Vite. Là, normalement il devrait pas me faire chier. Sur les trois autres, c'était toujours sur une espèce de petit tabouret. Là, voilà, il est là, le petit tabouret. Voilà, oh, putain, j'ai même pas regardé à quelle heure j'avais commencé, et du coup, je sais pas combien de temps ça fait. Wouhou! Et je pense savoir pourquoi je flippe ma race. Il est 4h30 du mat. J'ai dormi noir, et j'ai le son bien fort. Et en plus de ça, ça doit faire bien... 3 semaines que j'ai pas joué. Du coup j'ai plus trop l'habitude, on va éviter de courir. Ah oui, il allait en face. Je rêve pas. Fais demi-tour, ferme ta porte. On va l'attendre ici. Oh merde. Il rentre pas ? Voilà, maintenant on va sprinter comme un gros porc. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Oui. J'ai réussi. Phew. Je sais pas s'il est à gauche là. Tu fais quoi là? Non, putain d'enculé. Et je suis encore emmerdé avec lui quoi. Les clés elles sont tombées en bas, comment je fais moi? Il devrait pas me voir là, il devrait pas me voir. Nickel. J'économise les billes parce que c'est le seul qui me reste. Et ça me ferait bien chier de plus en avoir. C'est horrible.
Ouais, c'est ça, casse-toi. Par là, je suis dans la merde, vous imaginez même pas à quel point. Ah putain, merde, les casiers vont jamais me sauver là. Ah non, 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 j'ai fini, je t'en supplie, j'ai pas vu s'il y avait une sauvegarde ou pas. Non mais il court trop vite, à chaque fois je me fais poutrer, il me fait trop flipper cet enfoiré. Oh non, oh non. Allez, cours, 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 fais pas de tapette. Vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Oh putain, oui. Oh là là, mon dieu. Cette fois-ci, j'attends. Alors là, rien à faire. J'attends jusqu'à ce qu'il se barre. Là il est parti à gauche. Moi j'attends de l'en entendre passer et qu'il se barre vraiment loin. Je sais que c'est chiant d'attendre. Si c'est pour perdre, c'est complètement débile. Je vais me faire troller. On va essayer de repartir. De l'autre mongole en plus, ça c'est limite il y voit pas mieux ça encore. Ils auraient pas pu prévoir une autre pile là. Ça c'est cool le jeu sans pile hein, mais et là c'est swag quand il y a la lumière.
Oh putain, t'es sérieux? J'adore. Putain. Je me suis fait troller. Donc on recommence d'ici. Donc on a dit que c'était parti en dessous. Ah, on l'a bien vu, il est descendu vers le bas. Et alors, est-ce qu'il y a un coin que j'ai pas vu en descendant? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un endroit que j'ai loupé? Tout ce que je sais, c'est que j'ai des piles. J'ai pas regardé là-bas. Ok. La porte est bloquée par un espèce de début... Je sais plus comment on appelle ça. Que l'on peut pousser de là où on est, quoi. Enlève ça, toi. Attendez. Putain, en plus j'arrive pas à me repérer, quoi. C'est... Trop de zigzags et tout. Si on était pas... Et là peut-être... Libéré. Libéré d'eux. D'accord. La clé du niveau 3. Non, non, non. Why for my gueule? Oh putain, des piles. Ramasse, ramasse. Putain, il va pas ramasser. Oh putain, c'est juste un fou en plus. Oh, je sais plus d'où je viens. Je suis où là? Je suis où? Je tourne en rond comme un con. Et je l'entends juste derrière mon cul. C'est encore plus, il court comme un... Mais il court comme un dératé, putain. Oh non. Oh non, la connerie. Oh non, c'était peut-être pas une connerie. Ça y est, je suis mort. Voilà. Bon, bref. Il se fait un peu tard là et franchement je me fais poutrer. Je pense que je vais vous laisser sur ça. Donc prochaine étape, hein, aller ouvrir la porte qui manque avec la clé qu'on vient de choper. Donc moi je vous laisse si... On va faire start, hein, parce que c'est bon, j'ai eu ma dose, franchement, faut que je me remette dans le bain avant de faire des épisodes vraiment bons et où je flippe pas trop, parce que, ouf, c'est dur. Donc, juste une petite demande à vous faire, c'est si vous pouviez partager sur les réseaux sociaux certaines de mes vidéos qui vous ont plu, ça pourrait vachement m'aider pour moi, pour me faire connaître, et ce serait franchement super sympa. Donc moi je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.